As-tu vu Lulu? Lulu Vroumette. La tortue la plus chou. La tortue la plus chouette. Avec son petit bidou, ses jolis bouts de couette. Oh Lulu, rien ne l'arrête. De l'automne à l'été, de l'hiver au printemps, elle court les bois, les prés, les rivières et les champs. Y a rien de mieux que la nature pour chercher l'aventure. Un seul gâteau pour nos deux anniversaires. Bah, c'est le vôtre à tous les deux puisque vous êtes jumeaux. On est deux personnes différentes quand même. Oui, regardez, on n'a pas du tout le même nez. Et nos oreilles tarte aux groseilles, elles sont complètement différentes, nos oreilles. De dos, on est super différents. Oh bah si, c'est vrai, il y a une grosse différence. Ah oui, oui. Ah, tu vois? Tu vois? Bah oui, Rebelote porte un bandana et Belote, elle a rien autour du cou. Oh, ça compte pas. Mais peut-être qu'un de vous deux est plus grand que l'autre. Exactement la même taille. C'est pas grave, on le sait bien qu'on a deux copains et pas qu'un. Oui, mais... Laisse-moi parler. Tu parles tout le temps à ma place. Oh, tu m'énerves trop. Je veux plus partager mon anniversaire avec toi. Moi non plus. Je fais mon goûter sans toi au bord de l'étang. Et moi sous le marronnier. Comme ça, j'aurai un gâteau pour moi tout seul. Alors, qui vient à ma fête? On peut pas choisir entre vous. On vous aime tous les deux. Mais nous... On s'aime plus. Exactement. On s'aime plus. Ben, s'ils en veulent pas, on n'a qu'à manger le gâteau, non? Vous en voulez? Voilà, le cadeau de Belote est prêt. Merci, Niwi. Blaise, tu veux pas faire le collier de Rebelote? J'y arrive pas. Pourtant, c'est simple. Il suffit de faire des nœuds avec les tiges pour que les fleurs tiennent ensemble. Alors, il suffit de tresser les tiges des fleurs comme ça, ensemble, pour qu'elles tiennent. Bah, tu fais ça très bien, Blaise. Moi, je vais plutôt faire les groupes. D'un côté, ceux qui iront à l'anniversaire de Belote. De l'autre, ceux qui iront à celui de Rebelote. Alors... Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam. Amstram, gram, pique, dame. Bon, Blaise, tu vas à l'anniversaire de Belote. Non. Quoi, non? C'est pas possible. Je vais pas choisir entre mes deux amis. Moi non plus. Mais comment on peut faire? Je crois que j'ai une idée. D'être venu à mon anniversaire. Waouh, c'est joli. Et qu'est-ce qu'il a l'air bon ton gâteau. Oh, oh zut, j'ai oublié ton cadeau. Va le chercher Lulu, on t'attend. Ouais. Oh, mais je suis un vrai artichaut. J'ai oublié ton cadeau, Rebelote.
Je vais le chercher. Je voudrais bien une paille. Bah, désolée, j'en ai pas. Moi, j'en ai à la maison. Viens avec moi, Nioui. Hein? Et pourquoi? Mais parce que tu pourras choisir les couleurs, hein? Ah bah d'accord, alors. Oh, zut, j'ai oublié mon peigne. Alors comme ça, vous avez tous choisi mon anniversaire. Merci les amis. Vous voulez de la grenadine? Quoi? Pas de jus de carotte? Catastrophe et épinard. Je n'aime que ça. Je vais m'en chercher. De la part de tous tes amis, joyeux anniversaire, Belote. Pauvre Rebelote. Il n'aura pas de cadeau comme personne n'est allé à son anniversaire. Belote, j'ai des fourmis dans les jambes. Je vais marcher un peu. De la part de tous tes amis. Joyeux anniversaire, Belote. Belote aurait été contente avec un cadeau comme ça. Elle adore les fleurs. Bah t'en fais pas, va. Je suis sûre qu'elle s'amuse très bien de son côté. Oups. Bon, alors, on le mange, ce gâteau? Oh bah non! Pas sans les autres. Il faut que tout le monde soit là quand je souffle ma bougie. Oh, c'est trop bon. Ça te plaît? C'est de la citronnade maison. C'est moi qui l'ai faite. D'ailleurs, vous en... Allons bon. Où ils sont passés encore? Alors, tu l'as trouvé ton peigne? Mon peigne? Oui, je me suis recoiffée, ça y est. Tu pars rejoindre Belote. Il faut détourner l'attention de Belote. Tu peux faire quelque chose? Pas de problème. Hé, hey, Belote! Tu sais que c'est moi le roi des cabrioles? Hop! Hop! Ta-ta-ta-ta! Le roi des maladroits, plutôt! Lulu? Elle est repartie avec Nioui. Froufrou, rattrape-les et trouve Blaise aussi. Sinon, on ne mangera jamais mon gâteau. Alors, vous étiez où? C'est bizarre, vous n'arrêtez pas de partir, de revenir. C'est quoi? On est très occupés. Lulu, il faut qu'on retourne au... Non, vous ne retournez nulle part. Maintenant, on va manger le gâteau. Mais il manque rien au cerf, il faut aller le chercher. Non, vous bougez pas d'ici. Bon, alors en attendant que rien ne sert arrive, si on faisait un jeu. Un jeu? Quel jeu? Cache-cache. Rebelote, tu comptes jusqu'à 10. Non, tu comptes jusqu'à 500. D'accord. 1, 2, 3, 5, 9, 11, 15, 48, 207, 323, 500. J'arrive! Hé, mais où ils vont encore? Ah, vous êtes tous là? Eh ben, c'est pas trop tôt. Oui, joyeux anniversaire, Belote. Joyeux anniversaire. Que je souffle ma bougie sans Rebelote. Ah oui, c'est dommage. Bon, ben nous maintenant on doit y aller. Où ça? Nulle part. Rien ne sert de dire qu'on doit jouer à cache-cache. À cache-cache? Oui, oui. À cache-cache. Oui, et c'est toi qui commence à compter jusqu'à 500. Bon, ben d'accord. 1, 2, 3, 5, 9, 11, 15, 48,
fais là? Tu joues à cache-cache avec nous? Non, ce sont Lulu et les autres qui jouent à cache-cache. Comment ça? Ils n'arrêtent pas de courir de l'étang au marronnier. Ils n'ont pas voulu choisir entre nos deux fêtes d'anniversaire. Oh, ils sont gentils, nos amis. Gentils, mais un peu coquins. Eh, si on leur faisait une petite farce, nous aussi? Ah, oh, bonne idée! Alors, on est plus fâchés? Non, on est plus fâchés. De ton gâteau maintenant. Joyeux anniversaire, Rebelote. Mais moi c'est Belote. Oh, quoi? Ah bon? Oh là là, moi je m'y perds complètement. Voilà, on a tellement couru dans tous les sens qu'on s'est trompé. Bon bah alors joyeux anniversaire, Belote. Non, Belote c'est moi. Hein? Mais non, enfin Belote c'est moi. Mais non, c'est moi Belote. Rebelote. Non, 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 Rebelote, c'est moi. Quoi? Mais qui c'est qui à la fin? C'est rigolo. Tarte à la noix de coco. De se ressembler. On peut faire des blagues. Oh oui, d'accord, vous nous avez bien eu. Top. Je sais. Toi, t'es Rebelote, j'en suis sûre. Gagné. Mais comment t'as fait pour nous distinguer? J'ai trouvé la vraie différence entre vous deux. C'est votre voix. Oui. Oh, bien joué, Lulu. Merci. Notre voix, c'est notre ça voix. Ah, c'est ça. Maintenant que vous êtes réconciliés, qu'on sait qui est qui, on peut le manger tous ensemble, ce gâteau.